Bonjour à tous et bienvenue, c'est Galax pour la suite de l'aventure galactique sur Star Wars. J'espère que vous allez bien et souvenez-vous, nous étions en plein combat, on gérait la fougère et puis là d'un coup, je me suis fait endormir. Nous avons été capturés et nous nous retrouvons ici sans BD. Et oui, nous avons été séparés, je n'ai également plus de sabre laser. Et ça franchement, c'est un petit peu chiant, donc j'espère qu'on va vite le récupérer. Allez, donc on voit qu'il y a quelques petits trucs bleus. Je suppose qu'il faut simplement utiliser la force, là-haut peut-être. Ouais, effectivement. C'est un câble électrique, ça? Ça par contre, ça va pas vraiment me servir, il y a un câble électrique apparemment, faut m'avoir. Oh, une prise, d'accord. Où c'est qu'on peut la mettre? Voyons voir, par ici on a d'autres trucs. Il y a quelque chose ici. Ok, on dirait un emplacement pour la mettre justement. Et on a encore autre chose par là. Ouais, je sais pas trop. Donc ça, je pense qu'il faut le brancher là-dedans. Si je suis logique, hein. Effectivement. Marché. Tout simple. Par contre, je t'avoue que l'autre truc, je vois pas quoi il servait. Aucune idée. Bon, allez, on y va. L'air est froid. Rance. On doit être en profondeur. Ah, tiens, il y a un accès par là. Encore un truc bleu. Ah, ça, on peut le défoncer. Oula, attention, c'est des ennemis, ça? Et sans mon sabre, je suis quand même un petit peu nu, quoi. On va se méfier. On va éviter forcément les monstres. Le mec, il dit ça, il y va direct. Non, non. Vivement qu'on récupère notre sabre, je me sentirai beaucoup mieux. Une nouvelle prise. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut le brancher quelque part, sûrement. Ah bah tiens, ici. Regarde. Hop. Alors, qu'est-ce que ça fait? Pas grand-chose, il y en a une autre là-bas aussi, regarde. Alors là, ça fait rien sur celui-ci. On va le mettre par exemple là. Pas mieux. D'accord. Bah attends, il y en a combien? Ah, avec BD. Ah mais j'ai pas BD, c'est vrai. Oh lolo. Alors ça, c'est un ascenseur. On est bien d'accord. Là, il y a le jus. Ah. Donc là, il y a le jus. Est-ce qu'on peut amener ça jusque là-bas? Oui. Et logiquement... Il s'est passé un truc. Ça devrait marcher. La porte s'est ouverte. Ça a ouvert la porte par ici, très bien. Eh oui, parce qu'il n'y avait pas de courant dans les autres. C'est ça le délire. Voyons si je trouve un moyen de sortir d'ici. Effectivement, Cal, ce serait plutôt une bonne idée. Il nous faut BD pour ça, je pense. Parce que l'ascenseur, je suis pas convaincu qu'il redémarre tout seul. J'ai l'impression qu'on m'observe. Oula, Non, non, on va pas aller lui faire un petit coucou dans sa cage à celui-ci. Hein. Pas du tout. Oula. Ça me plaît pas. Ah, carrément pas, j'ai pas envie de me prendre une araignée sur la tronche. Mon dieu. Allez, on traverse. Youhou. Ah, BD. BD? BD1? C'est toi? Te voilà. Est-ce que ça va? On va te sortir de là. Mon petit BD, j'arrive frérot. Alors on a une prise. Faut l'enlever. Mais encore. Au fait, est-ce qu'on peut s'en servir de liane? Attends, je teste. Mais oui, effectivement. Ah bah attends. Et si on allait par là, en dessous? Ah! Je me suis craqué. J'ai voulu essayer, je me suis craqué. Totalement. Est-ce qu'on peut pas descendre un petit peu? Non, non, mais je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut y aller. Oui! Qu'est-ce que c'est quoi ça? Y'a un truc là? Bah non, y'a rien. D'accord. Je suis venu ici pour rien. C'est pas un souci. Donc ouais. Attends, on va observer un petit peu parce que du coup, je sais pas où je dois aller là. Ah! Peut-être en haut? Ça doit être ça. Je pense, hein. En même temps, il y a peut-être pas 56 solutions. Voilà. Là, d'ailleurs, on a une prise, on pourrait la connecter ici. Attends, viens par là. Sûr que c'est ça. Voilà. Parfait. Hey! Je suis content de te voir aussi. Laisse-moi t'enlever ce boulon d'entrave. Crétin. Pauvre droïde. Il faut qu'on sorte d'ici ou on finira comme eux. Comment on se retrouve? Alors,
ça on l'arrache. BD, à toi de jouer. Pirate-moi la porte. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Maintenant, faut vite qu'on s'échappe de cette prison souterraine. Tiens, on n'est pas allé là-bas, il me semble. Ouais, on n'y est pas allé. On va check. Ça, logiquement, c'est pour BD. Tu peux le faire, BD. Fais-moi plaisir. Raccourci débloqué. Super. Attends, il y avait une prise, là. Ah bah, sûrement connecter ça. Je pense. Ouais. Je sais pas s'il y avait le jus. Bon, de toute façon, maintenant, on a BD. C'est pas un souci. Ah bah si, fallait juste mettre le courant. Ok. On peut y aller ? Non. Apparemment, je peux pas y aller. Ah ouais ! Je suis con. Faut remettre le courant de l'autre côté aussi. Faut alimenter les deux. Hein. Les deux ports. Logique. Monsieur Port ! Il y a du courant maintenant. Yes. Allons-y. Eh ben voilà ! On peut s'enfuir ! Enfin ! Tu entends ? On dirait bien qu'il y a quelqu'un finalement. Eh, mais je le connais ce groupe. Alors là, attention, on arrive dans une arène, on va bel et bien sauvegarder avant. Hein. Je pense que c'est plus sécurisé. Allez, on se repose, pas de points de compétences. Ce sera pour tout à l'heure. L'amélioration du perso. Et là, à mon avis, ça va être la fiesta. Oh que oui. Coucou. J'ai parié sur le temps qu'il te ferait pour arriver ici. Et vous êtes qui, au juste ? Tu veux savoir ? Je suis Sortor Mo, mon petit. Je suis le chef des opérations ici. Tu pourras remercier Grisy, c'est grâce à lui qu'on se rencontre, toi et moi. Je le ferai, dès qu'on sera sortis d'ici. Nous accueillons un combattant très spécial pour vous ce soir. Un représentant d'une époque révolue à jamais. Un Jedi ! Voyons ce qu'il a dans le ventre. Oh, rendez au bébé son jus. C'est de l'action que vous voulez ? Je vais vous en donner de l'action. Allez, c'est parti ! Effectivement, nous sommes un gladiateur le tour d'une soirée. Attention, écarte-toi vu que ça explose. Le gros crapaud ! D'accord, ils vont me foutre tous les types d'ennemis depuis le début du jeu, non ? C'est un délire comme ça. Un classique. Hop, ça on le dégage. La langue ! Ça, on s'en souvient, c'était sur Bogano, hein, la première planète. Youhou ! Ouh là là ! Il veut me bouffer ! On dirait que la roue tourne ! Dégage. Ok, je reviens, gros. Aïe, aïe, aïe ! Ça pique ! Faut bien prévoir le coup. Ça fait mal ! Allez ! Ça ! C'est fait. Sacré long. Tu descendais pour venir m'affronter en personne. Je suis trop occupé à compter mes crédits. Oh, capitaliste. T'as raison. Il parle beaucoup. Oula. Je pense que j'ai pas fait exprès de. Ah, des vers. Ça pareil, c'était sur la première planète. Ça par contre, c'est pas la première. Des araignées. Wow, bah attends. Des araignées particulières en plus. Aïe. C'est tendu. Attention ! C'est quand même méga tendu. C'est quoi ce porc épique ? Wow, wow, wow. Regardez-moi, ok. Ça dégage. Tu n'es pas en plus d'effet. Aïe, aïe. Oh, mais elle va se calmer, celle-là. Aïe, aïe, une grosse. Viens par ici, viens m'affronter. Saleté. Oula, là, 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 non, pas lui. Pas lui. On se tire. Attends, un petit steam. Merci. Toi, tu viens par là. J'aimerais bien me faire l'araignée d'abord. Oh là là. C'est méga tendu quand même. On va pas se mentir. Salut. Putain, mais arrête de tirer, elle fuit. Attends, je m'écarte encore. C'est bon, on a le temps, on a le temps. On n'est pas pressé, j'ai pas envie de mourir, hein, pour autant. Là, le gros, il est chiant. Lui, il a une allonge, mon pote. J'ai esquivé. Gros naze. Viens par ici. Aïe. J'ai rien dit. Calme-toi.
le rouge. Oh, il m'a allumé. Ok. Bien joué ça. Et maintenant, le finish. Ah. Voilà qui fait plaisir. Il y en a d'autres pour moi. Ah merde, le meilleur est encore à venir. C'est déjà pas mal, hein. Pas vraiment, mais je veux bientôt le savoir. Oh, salut. Red Kiki. Attends, mais c'est pas celui qui m'a endormi? Il me semble, hein. Wow. Il me semble que c'est celui qui m'a endormi. Ça gère. Oh, on l'a rétamé pour le coup, là. Red Kindy vaincu. Bah voilà. C'est tout. T'as rien d'autre pour moi. Désolé pour toi, mais je m'enfuis. Eh ben, on s'en est bien sorti. Effectivement, il y avait un petit peu tous les types d'ennemis qu'on a eu depuis le début du jeu, qu'on a rencontrés. Hey, Grise. T'es célèbre par ici. Ouais. Des affreux, pas vrai? Ils empestent l'huile de module. T'as l'air d'aller bien? Oui, mais on aurait pu se passer de ça. Une chance qu'on t'ait trouvé. On pourrait bien avoir d'autres ennuis. L'Empire a appris pour l'Holocron. C'est pas bon. Toute la mission est compromise. Et j'ai eu une discussion avec la deuxième sœur. Trilla. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que vous l'aviez livré à l'Empire. Est-ce que c'est vrai? Elle dirait n'importe quoi pour faire échouer la mission. Est-ce que c'est vrai? C'était mon apprenti. Avant la purge. Vous auriez dû me le dire. On a reçu un message crypté. Ça vient de Kashyyyk. Marie. Carl, on a trouvé Tarful, et il est d'accord pour te rencontrer. Mais ce n'est pas tout. L'Empire a réussi à nous déloger de la raffinerie. So a dû s'enfuir de la planète. Certains d'entre nous ont rejoint les Wookiees dans la forêt. Sois prudent. Toi aussi. Plus tard. Plus tard. On a une piste. Ok, tout va bien. Et tout va très bien se passer. Hé, petit gars. Hé, lève-toi debout. Faut qu'on cause. Quoi? Faut qu'on cause. Je sais pas trop ce qui se passe entre vous deux. Enfin, j'imagine que ça doit être un truc de Jedi. Mais si tu veux mon avis, c'est pas le bon moment pour... Ça te regarde absolument pas. Bah, je suis absolument pas d'accord. On est tous dans la même équipe, pas vrai? Hé, Cal. J'ai commis une erreur. Et ça t'a presque tué. Je regrette. Peut-être qu'on fait tous des erreurs, hein? Peut-être que toi, non? Tu devrais être un peu indulgent. Je te dis pas de faire ça pour moi, mais tous les deux, vous êtes vraiment ce qui m'est arrivé de meilleur. Avant que vous débarquiez, tout ce qui m'importait, c'était d'avoir une main du tonnerre. C'est ce que disent les joueurs. Je sais ce que ça veut dire. La vie, c'est pas un jeu. Je ne m'intéressais qu'à moi avant que vous arriviez dans ma vie. Et au Paris. Je suis plus le même. C'est mignon. Le petit discours larmoyant, j'adore. Un classique aussi. Retrouver Tarful et Marie sur Kashyyyk. Eh ben écoute, on y va direct.
Bah ouais, perdons pas de temps. Ensuite, on ira... Direction Kashyyyk. 32% exploré, 7 coffres sur 27. Allons-y. C'est parti. Tu sais, même avec tout ce que vous me faites vivre, je frissonne toujours devant un bon match. Oh, tant que tu ne retombes pas dans tes travers. Oh ça, non, t'inquiète, je suis juste spectateur. Pas de pari ou de trucs dans le genre. Tu es sûr? Sûr, c'est pour la beauté du sport. Rien de tel que de regarder deux grosses brutes échanger des coups. Cette agilité, cette force brute. Yeah ouh, ouh, ouh. Capitaine, je suis assez perplexe face à ton penchant pour une chose aussi... primaire. Non. Oui, je sais, c'est vrai, oui. C'est drôlement primaire, mais bon... c'est divertissant. Ah, il est marrant. Alors, est-ce qu'on arrive? Par ici, petit gars. Oui. On va pas tarder à se poser. De retour sur Kashyyyk. Kashyyyk qui pour l'instant est la plus grande planète, hein, il me semble. En nombre de coffres, voire en nombre de secrets. Et alors on n'arrête pas de me parler de Datomir, on me dit Galax, va récupérer le double sabre laser. On ira un jour, rassurez-vous. Et peut-être que le jeu va nous y obliger aussi à un moment, parce que l'histoire va peut-être s'y passer. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Un écho. J'ai pour habitude de ne jamais perdre mon temps avec les insurgés de ton espèce. Mais j'aimerais retrouver un Jedi, un Padawan. Et je sais qu'il est venu ici. Et pour cela, vous allez tous beaucoup souffrir. Choisik et Marie ont marqué ton point de rendez-vous avec Tarful. Ah, très bien. Alors, voyons voir, nouvel objectif. C'est par où? C'est par là-bas ou c'est quand même tout au bout? Ah oui, mais je remets l'endroit. Effectivement, c'est là où on avait une Cal, chèvre escargot pour la première fois. Ferré m'a envoyé ta fréquence. Marie, est-ce que ça va? Je vais bien, contrairement à beaucoup d'autres. Est-ce que Myriana t'a indiqué le point de rendez-vous? Oui, oui, je suis en chemin. Parfait. On vient d'y arriver, mais on n'y restera pas longtemps. L'Empire est à nos trousses. Je vous rejoins dès que possible. Alors, effectivement... ouh, il y a des storms là-bas. Effectivement, avant, on ne pouvait pas tirer ce pont. Reste près de moi, là, BD. Maintenant, c'est easy. Ces trucs ont l'air rapides. Ah oui, quand même. Effectivement, c'est très rapide. Wow, 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 wow. Calme-toi. Touché. Tu peux le repousser? Yes. Fous des coups d'aile, incroyable. Ok, on peut le scanner. Donc nouveau passage. Qu'on ne pouvait pas prendre avant vu qu'on n'avait pas maîtrisé justement le fait d'attirer les éléments vers soi. Alors, on repousse. Le petit checkpoint. Avec plaisir, même si bon, on vient tout juste d'arriver. On va donc se reposer. On a reçu un point de compétence aussi. Je vais pouvoir l'utiliser. J'ai eu aucun combat pour info hein, depuis que je suis arrivé sur cette planète, hormis donc... le piaf, qu'on vient de voir. Je n'ai pas suffisamment de points de compétence, il m'en faudra deux. Très bien. Bah écoute, on va être patient. Hein. Et là, je suppose qu'on continue par ici, il n'y a pas 56 chemins. Yes. C'est parti! Attends, on va assurer... ah mais j'ai pas vu, il y a une autre corde, regarde. Hop là, tranquille. Salut les loulous! Tiens, venez par ici. Le contre. Magnifique. Salut. Enfin, on les a vraiment totalement maîtrisés pour le coup. On m'a touché. Salut, go. Voilà, je les tue à distance, tranquillement. On patiente. Oh, méchant. Ah, mais c'est vrai que la mitrailleuse. Ça, c'est relou. Bah écoute, allons-y, j'ai envie de te dire. Concentrez vos tirs. Saloperie. Ça dégage. Il faut percer sa garde. Ok, 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 c'est géré. Et lui, tu te le fous. Tu dégages. Ciao bambino. Attention, c'est la glissade. Wow, ralentis-le. Ah, je suis tombé. J'aurais dû... j'aurais dû le ralentir. Yeah. Ok. Bon, ça va, ça gère. J'ai quasiment toute ma vie. Wow, calme-toi.
C'est un purge. Oh non, une zone électrifiée. Calme-toi. Ok. Ralentissement. Attention, zone électrique. Je déteste ça. Ok. Ça roule. Donc là, je suppose que c'est pour retirer. Hop. Le laser. Il y a du monde apparemment. Ah, et on retrouve notre chèvre escargot. Je suis presque aux terres d'ombre, devant l'épave d'un marcheur. Tout a réussi en abattre. Il faut que je recharge. Esquive autant que tu veux, et ça ne m'en donnerait pas. Ok, ils l'ont fait exploser, vous avez bien raison. Wow. Esquive-moi tout ça. Ouh, un roquette. Sink. Je suis le dernier. Tranquille, toi là-haut. Tu dégages. Thank you very much. C'est pas fini, hein. On aime les séquences comme ça. Ah mais non, ils sont en train de lui tirer dessus. J'ai pas l'impression que ça lui fait du mal en plus. Attends, ça c'est de l'acide, il me semble. Il tire dessus. Je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Attends, au pire, je me tire. Va falloir que je consomme un steam, je pense. J'ai besoin de toi, BD. Vite, consomme un steam. Merci, BD. Oh mais non. Attendez, je l'ai surprise de tous les côtés. Attends, je m'occupe d'abord des affreux là. Bah, ils me l'ont envoyé dessus, mais juste à côté d'eux, ça aurait dû les toucher également. Mais oh. Voilà. Eux, c'est bon. Maintenant, je m'occupe de toi, ma jolie. Oh. Vous y mettez tous en même temps aussi. Je sais pas quoi. Soyez un peu galant. Ok, il est par ici. C'est quand tu veux. Attaque. Voilà. Vas-y. Youhou. Allez. Attention. Oh non. Elle m'a esquivé, cette coquine. Très bien. Bah c'est par là-bas apparemment. Pour l'instant tout va Allez, bien. Ne traîne pas. Même si le niveau est assez relevé, hein, quoi qu'il en soit. C'est pas un Dark Souls. Mais quand même. Oui. Ah, tyrolienne. Youhou. C'est beau, hein. Oh là là. C'est magnifique. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop de mal dans le jeu. On m'a dit Galax, tu verras. Ah non, je tombe à l'eau. C'est normal, on va dire. On m'a dit Galax, tu verras, tu vas en chier parce qu'il faut vraiment que tu fouilles toutes les planètes à fond. Sinon, tu vas pas y arriver. Bah, pour l'instant, bah écoutez, ça va. Pour l'instant, on réussit à avancer. On verra après, hein. Mais en tout cas, je peux continuer sans trop XP non plus sur toutes les planètes, etc. Alors, arbre de compétences. Non, c'est vrai qu'il me faut 2 points. Pour l'instant, je ne peux rien prendre. Faudrait que j'améliore. Augmente le niveau de santé, ce serait bien. Donc, quand on aura un 2e point de compétence, on augmentera la santé de Cal. Là, je vais me reposer. Récupérer un max de vie. C'est très bien. Et on peut continuer. Un petit écho. En visu. On va le prendre, bien sûr. Ça, c'est le XP facile. Et des petites histoires qui se racontent à chaque fois. Continuez ! On arrive dans les terres d'ombre ! Ça sent comme... Ça vient d'où ? Oh là 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 là, attention ! Une forêt vivante ! Effectivement, comme tu dis. C'est trop sain. En même temps, ces trucs, ça se voit que ça va te bouffer, quoi, que ça va se refermer. Oh la vache. C'est terrible. Attends, ça a l'air assez vaste, quand même. Wouhou. Ah, regarde, même les fleurs, elles viennent sur toi. Attends, je peux monter? Oui. Apparemment, il y a un passage secret par ici. Oh, on peut scanner. Dame blanche, nouvelle graine. Bon, ah, bien, on pourra le planter comme ça dans le vaisseau. Super. Alors, je sais pas du tout si je vais vers le chemin principal ou un chemin secondaire, mais c'est pas grave, de toute façon, on fouille un petit peu, bien sûr. On peut récupérer quelques petits coffres et tout. Oula, 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 oula. Pourquoi elle s'en va, elle? Attends. T'es bien gentil. Ah, c'était peut-être juste pour récupérer l'écho, là. Pas impossible. Ressent l'écho, calme. Ouais, il me semble qu'il y avait rien d'autre là-bas. Hein. Il me semble que cet endroit est sacré à leurs yeux. Ouais, j'ai pas l'impression que c'était pour autre chose.
Très bien. Tiens, on pourra prendre la liane juste ici. Hop là. Youhou. Et donc ouais, j'ai récupéré un point de compétence supplémentaire, je vais pouvoir améliorer ma santé maintenant. Oh, il s'est fait bouffer l'instant. Incroyable. Ça dégage. Ouh, attention. Est-ce qu'on peut le faire se faire bouffer, non? Y'a moyen? Attends. Oh, ça aurait été trop marrant. Ah, il bouge plus lui. Ah, y'en a plus qu'un qui est actif. Oui. C'est possible. Ah, c'est énorme. Ah, j'adore. Bon, j'ose espérer que ça nous fait de l'XP. Ah non, peut-être pas, remarque, parce que c'est pas nous qui l'avons tué. Je sais pas. Oh shit. Ok, attention aux fleurs. Bah, pour l'instant, elles m'ont pas touché, il me semble. Hein. En même temps, j'ai pas attendu de voir ce qui se passait. Je les esquive au maximum. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Calmez-vous. Je déteste. Alors, de base, c'est vrai que je déteste les chèvres. Dans le jeu. Mais les chèvres escargots, c'est encore pire. Sans déconner, quoi. Ralentis, toi. Elles sont fourbes. Le contre, joli. Attaque-moi. Oh, magnifique. Ça dégage. Ah non. Allez, ça c'est fait. Un petit écho. Supplémentaire. Où va qui passe tout couler l'étranglement? Batteur, prêt! Tout le monde! On vous couvre! Tu as déjà vu un endroit comme celui-là? Moi non plus. Je me demande. C'est donc le lac des origines. Je me demande ce que sont. Ces trucs verts. Encore un petit checkpoint. On va pouvoir sauvegarder tranquillement. J'ai récupéré également le deuxième point de compétence, donc on peut augmenter la vie de Cal. On a également un autre truc là. Qu'est-ce que c'est? Steam personnalisé. Cal récupère plus de santé lorsqu'il utilise une capsule de Steam. Oh bien. Et je vais prendre ça plutôt. Ouais, je vais prendre ça. Puis on améliorera la santé après quand on aura deux nouveaux points de compétence. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. Allez, on se repose. Comme ça, notre santé est à fond. Bon, à l'instant, mine de rien, j'ai pas croisé de coffre pour changer de poncho. Parce que c'est vrai qu'on est avec le même poncho que l'autre. Bon, bah admettons, pour l'instant, on va rester ici. Ouais, j'aimerais bien changer de poncho parce que, quand même, quoi. On peut y aller là en dessous. Non, y'a rien. Parce que j'aime bien changer à chaque vidéo, tu vois. Allez. Bah en vrai, tu changes de vêtements tous les jours. Ça, c'est que c'est pareil dans le jeu. Oula. Quel boss. Salaud. Gentil, ça. Con. Ah, les réflexes, toujours très importants. Le con. Ça m'étonne que l'autre m'ait rien fait derrière. Voilà. Ouh. Finish moves. Et pourtant, il lui restait beaucoup de vie. Ouais, donc peut-être qu'effectivement, faut avoir un bon timing. Et si t'as vraiment le timing parfait, tu peux la tuer comme ça directement sur un contre. C'est intéressant. Ces arbres. Je sens la force qui entoure ce lieu. Je te dégueule dessus, c'est dégueulasse. Attention, attaque rouge. Où elle est là? En fait, elle faut rester. Oh, putain, elle est chiante. Rester à distance et si tu fais ça, ça va quoi. Et si tu restes vers elle, ouais, c'est un petit peu relou. Alors attends, c'est quoi ces trucs verts? Parce qu'on se pose la question depuis tout à l'heure. D'accord. Hey Maya. Voilà. En même temps, c'est des scarabées flammes, c'est même pas des. C'est même pas des abeilles en vrai. C'était Tarful qu'on a entendu. Alors attends, là, je fais le tour. Ah, il y a un passage. Il y a un petit passage. Bon, c'est assez grand ici quand même. En même temps, Kashyyyk, ça va être immense. Donc ça permet de sauter.
C'est bien. C'est ici qu'on doit retrouver Tarful. D'accord. Oui. Mais encore, ça m'amène où? Oh, tiens, un coffre là-bas. C'est pas ça qui amène au coffre? Attends, est-ce qu'on peut y aller? Comment on peut aller au coffre? Je sais pas ce truc. Où est-ce qu'il nous fait sauter? J'en ai absolument aucune idée. Alors attends. Je vais redescendre. Je vais redescendre. Parce que j'aimerais bien choper le coffre juste ici. C'est pas par là. Que dalle. Oh. Oh. Et on peut aller là-bas. Attends, suis-je bête? On peut simplement venir ici. Mais ouais, l'autre, je sais pas à quoi il sert pour l'instant, on verra. Ok. Enfin, il est relou. Ok. Ah, je peux toucher bizarrement. C'est bon. C'est de l'acide. Alors là, logiquement. Wouhou! Mais voilà, c'est comme ça qu'on a le coffre. Ok. Tu veux voir ce qu'il y a dedans? Alors, qu'est-ce que tu as de nouveau pour moi, s'il te plaît? Nouveau matériau de poncho. Ah bah très bien. Oh, il est rouge. Rouge et blanc. Eh, hey, pas dégueu. Pas dégueu. Vous me direz ce que vous en pensez? Moi je trouve bien. Mais donc ce truc il sert à quoi pour aller où? Donc ouais, en fait là c'est qu'il y a une liane. Maintenant on peut s'en saisir et aller en face. Oh là là. C'est juste ça. Contente de te revoir. Je te présente le chef Tarful. Je suis en mission pour maître Eno Cordova. Il recherchait un artefact Zepho. Si on le trouve, on pourrait sauver les Jedi. Où Cordova a trouvé la sagesse, tu trouveras des réponses. En haut de l'arbre des origines. Il est immense. Je ne sais pas par où commencer. Eh bien, peut-être que tu trouveras un moyen depuis ses racines. Mais la plupart sont immergés. Il te faut un respirateur. Merci. Qu'allez-vous faire maintenant? La seule chose qu'on puisse faire, nous battre encore. Bonne chance. J'espère qu'on se reverra. D'accord, j'ai récupéré le respirateur aquatique. Explorer de nouvelles zones sous-marines. Eh, ça peut être vachement intéressant ça. Bah oui. Alors, maintenant, on doit aller... Ah ouais. Ça monte maintenant en dessous, donc bah tu sais quoi, on va plonger direct. Youhou! Et donc là, on peut plonger maintenant. Avec X. La classe. Oh, tiens, un petit coffre. On va aller le prendre. Nager vers la surface, c'est A. Ok. Comme dans tous les jeux, en fait. Quasiment. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Voyons ce que t'as trouvé. Nouvel interrupteur de sabre laser, Paix et Justice 2. Eh, mais là, du coup, c'est tellement beaucoup plus vaste qu'avant, du coup. C'est ouf. Et on peut, par contre, on peut pas checker la carte quand on est sous l'eau. Hein. Bon, ça, c'est un peu normal quand même. Hein. Oh, attends, il y en a un autre là. Oh, du coup, je sais même pas par où aller, tellement il y a de passages quoi. Tellement de trucs. C'est génial. Hein. Ça fait encore plus penser à un bon vieux Tomb Raider, ça. Dans le style de jeu. Nouveau matériau pour sabre laser obtenu, duralium. Ok. Alors, je vais aller voir par ici parce qu'il y avait une grotte. Il y avait un passage. Je sais pas si c'est l'objectif, mais on va check. Allez, remonte. Ah, c'est pour un écho, je pense pas que c'est l'objectif principal, ça. Grimper, ouais. Récupère l'écho, tant que tu y es. Un Wookiee s'est abrité ici, pour pleurer la perte d'un ancien. Ouais, je pense que c'est à gauche, c'est ce qu'on avait vu de l'autre côté du coup. Plonge avec X. Voilà. Yes. Sûr que c'est ça. C'est l'autre grotte qu'on avait vue à droite. Je suppose. Ouais, il n'a pas 50 000 après. C'est vachement bien d'avoir un respirateur parce que du coup, il n'y a pas de jauge. Bah, il n'y a pas de jauge justement parce que c'est un Jedi quoi. Et puis, c'est quand même assez beaucoup plus évolué que les technologies qu'on a maintenant. Ça, au moins tu peux rester juste avec le respirateur quand comme ça sous l'eau sans aucun problème. Allez,
ça, logiquement, ça me fait... Ça me fait sauter. Et là, on est sur la bonne voie. C'est la guerre, mon colonel. Yes, Stormtrooper. Ok. Par contre, on va pas dans la zone avec la cible, là. Voilà, mais arrête de dégueuler, toi, maman. Incroyable. C'est bon. Je t'ai coupé la tête. À nous deux, chèvre escargot. Oula. Ça gère. Elle dégueule comme prévu. Vas-y. Voilà. Même Tarful n'a pas pu les tenir à distance. Ils n'arrêteront que quand tous seront morts. Je suppose que c'est par là. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre passage, il me semble. Vérifie la carte vite fait, ouais, c'est tout droit. Ouh. Oula. Attention les fleurs. Les plantes s'énervent. Oula, elle est proche de moi. Pour l'instant, elles ne m'ont rien fait, hein, donc je ne sais pas ce que... je ne sais pas quel effet ça fait. Par contre, celle-ci, je me doute. Ouah. Ouah, c'est histoire de foutre un petit peu la pression, ça. Je trouve ces choses terrifiantes. Ah d'accord. Wow. Eh ben, dis donc, il va fallait... un peu fort. Fallait lâcher un petit peu. Mais c'est vrai que ça fait peur de voir des plantes comme ça qui te poursuivent. C'est pas rassurant. Du tout. Eh ben, beaucoup de grimpettes aujourd'hui. Forcément, vu qu'il faut escalader les arbres. Et encore, on n'est pas arrivé au gros. À mon avis, le gros, ça va être un truc de barjo. Coucou. Allez. Oh putain, faut d'abord s'occuper de lui là-bas. Attends, je m'occupe d'abord de lui. Ok. Voilà. Comme ça, il n'y a plus de roquettes, ce sera beaucoup plus simple. Ok. Ça, c'est fait. Ils sont morts les autres? Ils sont tombés ou comment ça se passe? Ouais, je sais pas. Là, il y a un écho. Je peux pas aller le chercher. Il va y avoir un autre passage. Et là, c'est par ici. Youhou. Oh là là, dépêche-toi. J'étais vachement proche. Ouais, chaque fois, faut plonger. Faut prendre l'habitude. Tiens, un petit coffre là-bas. Un petit coffre. J'aimerais bien avoir un autre poncho. Je suis fan des ponchos dans le jeu. Tu vois, c'est un petit peu l'aspect collection. J'adore ça. Qu'est-ce qu'on a là ? Eh non, c'est un émetteur. Paix et justice. Alors après, voilà, si je devais faire attention à ne rien louper, ça prendrait beaucoup plus de temps. Hein. Je regarderais vraiment de partout, à droite à gauche à chaque fois. Mais je le fais pas systématiquement. J'ai juste un petit coup d'œil de temps en temps et si j'ai la chance de tomber sur un coffre... Là, ben, je le prends. Pfiou, très aérien ce niveau. Alors maintenant qu'on peut attraper comme ça les lianes et tout. Comme ça, sans notre intervention. Les Jedi sont censés incarner l'espoir, mais j'ai attiré l'Inquisition ici. Mary et Tarful comptent sur moi. Est-ce que je les ai encore mis en danger? Allez, point de sauvegarde, point de méditation. Alors j'ai qu'un seul point de compétence, donc pour l'instant je peux pas. Améliorer la santé de Cal. Déjà qu'on a amélioré le rendement des Steam. Des soins. Alors là, attention. Faut courir. Oh là. Salut. Attends, lui, il est particulier, non? Il est avec une... Ah ouais, on dirait une hache. Bon Dieu, les haches. Attends, je m'occupe de lui là-bas. Vas-y, encore un, s'il te plaît. Hop, voilà, comme ça au moins. Il n'y a plus que lui et moi. Touché. Pas tout de suite. Salaud. Ralentissement. Faut être sûr qu'avec le ralentissement, comme ça, on le touche au moins. Aïe. Il pique un peu. Ok, ralentissement. C'est bon. Facile. Alors, c'est un nouveau, ça, hein, vu qu'il a une arme différente. C'est un Purge Trooper à électromasse.
Il y a beaucoup de styles d'ennemis quand même. Hein. Après, bon, c'est juste les armes qui changent souvent. Ok. Oula, il va se passer quelque chose là. Quand tu vois un ralentissement comme ça. Mais qu'est-ce que c'est? Un petit morveux de braca qui joue au Jedi? J'ai dit au grand inquisiteur que tu n'étais pas assez stupide pour venir pointer ton nez ici. Après que nous ayons pulvérisé cette résistance de pacotille. J'aime tellement avoir tort. Oh la vache. Et c'est la glissade. Ça pète dans tous les sens. Oula, je me suis un peu bloqué. Alors regarde, on peut sauter pendant les glissades si on veut. C'est marrant aussi. On peut sauter n'importe quand. Youhou ! Mais bon, il y a des moments où t'es obligé, parce que sinon, tu meurs. Hop là. Ok, nice. Cours, 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 Cal. Dépêche-toi. Ouh ! Phase de poursuite, on adore ça. Bon, attention, les plantes, elles ont faim. Et ce plan large. Je suppose qu'il faut redescendre, là, il faut se lâcher. Yes. Et c'est reparti pour la tour. Attention, c'est le saut. Bon, ça par contre, c'est assez téléguidé, quoi. C'est automatique, hein. On a rien à faire, on peut pas se louper. C'est un peu comme les tonneaux de Donkey Kong. Oh, la comparaison, quoi. Oula, là, il faut sauter. Waouh. T'as la glissade, elle est hyper longue. C'est beau. T'as l'impression qu'il y a des petits... Des petites lucioles. Oula. Oh, bon, pour le coup, je suis pas impressionné. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? La 9e sœur a fait. Réflexion faite, elle écoute toutes leurs transmissions. Elle le découvrira elle-même. Il y avait un gros piaf. C'est fou, ça. Alors, j'ai vu un coffre, mais juste ici. Il était énorme, cet oiseau. La vache. Allez. Dis-moi que c'est un petit poncho. Eh non, nouveau matériau pour le sabre laser. Le bronzium. J'ai récupéré beaucoup de matériaux hein, pour le sabre aujourd'hui. C'est vrai. Il y avait ce qu'il fallait. Allez. Eh ben donc, phase véritablement rythmée, on va dire. C'est du vrai cinéma. Ah, on va pouvoir se reposer un petit peu. Et nous arrivons à l'arbre des origines, mesdames et messieurs. Arbre de compétences, toujours pas. On se repose. Parce que de toute façon, voilà, on ne retournera pas en arrière, logiquement. Pour l'instant, en tout cas. Et on va continuer un petit peu. Apparemment, il y a masse d'ennemis devant. Oh, salut! Le contrôle. Ok, doucement. Ah, par contre, là, elle m'a touché. Bien joué. J'étais un peu gourmand. C'est vrai. Bah attends, wow. Je vais m'occuper de celle-ci, il lui reste beaucoup de vie déjà. Voilà, moins elles sont, mieux c'est. Oh le con. Ok. Du rouge. Esquive. Ok, attends, je vais m'occuper de celle-là. Le contre. Oula. En même temps, je peux pas compter tout le monde, moi. Non. Aïe, 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 c'est dur quand elles sont nombreuses. Hein. C'est ça le truc. Puis avec la chèvre escargot de la mort là. C'est le truc le plus chiant du monde, ça. Sans déconner. Voilà, je t'ai fait ta fête. Attaque. Ok, t'as bien raison. Wouh. J'adore. Bah voilà. C'est mieux comme ça. Apparemment, on peut explorer par là. Je vais aller checker vite fait. Salut! Là, on peut servir potentiellement du mur. Voilà.
une autre chèvre. Oh, c'est pas vrai. Elle te dégueule toujours dessus, c'est dégueulasse. Et un nouveau point de compétence. Ouf. Oh là là. Ok. Allez, BD. Ah, et quelque chose apparemment ici. Est-ce qu'on y a accès? Ouais. Mais je vais quand même aller checker là-bas. C'est pas quelque chose d'intéressant. Ouais. Yes, un petit écho. C'est bien ça. Je vais consommer un steam aussi. Pendant longtemps, les Wookiees ont pèleriné à son sommet. L'arbre les guidait. Attends, j'ai également vu un truc par là. On décolle. Un petit coffre. Tant qu'à Allez, faire. Va jeter un œil. Va jeter un petit œil. Voyons ce que t'as trouvé. Et c'est un nouveau poncho. Poncho rôdeur. Enfin. Eh. Hey. Pas dégueu. Un peu crado. Par contre, on va pas se mentir. Mais pas dégueu. On va rester quand même. On va pas se mentir. Hein. On va rester. Qu'est-ce que je fais? On va rester sur le chiot. Je trouve qu'en rouge comme ça, ça lui va mieux. Bon, revenons à nos moutons. Vous voulez bien? Maintenant, il faut qu'on escalade par ici. Oula. Si, si, on peut bien monter. Je pense que le reste, je l'ai bien exploré. Ouais. Ça me paraît plutôt good. Je vais prendre un steam. Je me sens faible, Lady. Voilà. Oh, il y a encore du monde. Encore ces chèvres de l'enfer. Ok. Oula. Ça dégage. Le coup de corne. Oula. C'est tellement vicieux ce truc. Hop là. Elle dégueule. Au plaisir. Et voilà. Je crois que je me suis même pas fait toucher en plus. Trop cool. Alors, on va monter ce truc, la question, c'est comment? Ah, on peut sauter là-dessus. Normal. Youhou! Ensuite, sprint mural. Et hop! Ça saute. On se loupe pas. On s'accroche. Je saute ou je me laisse tomber? Je me laisse tomber. Ouf, c'est limite. Chut, on connaît pas ses intentions. C'est ça qui a abattu la 9e sœur. D'accord. Il est beau. Ah, c'est des plumes? Sacrée plume! La vache. Mon ami, en arrivant ici, Tarful nous a parlé d'une glorieuse créature, l'oiseau Signo. Il y a un effet chelou, on va pas se louper, hein. Debout, essaie encore. Oui, mais j'y arrive pas, maître. Ah oui? Bien, continue à échouer et à essayer, c'est le seul moyen d'y arriver. Ne te laisse pas entraver par ton ego et de faux semblants. Tu dois oublier toutes tes craintes et te relever. Allez. Encore. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Lorsque vous êtes en l'air, pour effectuer un salto de Jedi. Ah, t'as le double saut. Maintenant rejoins-moi, tu peux y arriver. Ah bah voilà. C'est ce qu'il me fallait, parfois, dans certaines situations. L'essentiel, c'est de se relever, BD. Tant qu'on peut se relever, on peut encore se battre. J'ai enfin retrouvé ma maîtrise d'avant la purge, avant la mort de Maître Tapa. Alors ça, vraiment, ça va beaucoup nous aider, hein. Mais beaucoup, beaucoup, hein. Je suis content. Et on a donc un deuxième point de compétence. Allez, on va le prendre. Et on va booster la santé. C'est quoi, ça? Esquive de précision. À chaque esquive de précision, Cal ralentit brièvement les ennemis et récupère une petite quantité de force. C'est intéressant, mais je vais quand même augmenter la santé d'abord. Puis après, je pense qu'on prendra ça. C'est vrai que j'améliore, je remarque plutôt le côté survie que sabre laser et force. Parce que je pense que les propriétés du perso, c'est quand même super important. Allez. Alors, est-ce qu'on s'arrête là ou on continue un petit peu? On va continuer un petit peu. Hein. Attention, c'est parti! Youhou! Waouh! Ah ouais, on était obligé d'utiliser le double saut là. Sinon c'était cuit.
Ok, sprint mural. N'oublions pas, effectivement, qu'on a le double saut. Très utile. Ah, faut pas tomber, là. Hein. J'ai le vertige. Encore, on n'est pas encore tout en haut. Voilà. Il est blessé. Tu crois qu'on peut l'aider? Il y a un écho. Oula! Attention, il y a les rapidos, là. Esquive! Et voilà, forcément, on m'a dérangé. Ok, venez par ici. Attends, je vais essayer d'être touché. Ok, bien. Il semble qu'ils ont pas trop de vie, hein. Par contre, ils sont effectivement ultra vifs. Mais vite tués, par contre. Eh bien. Ok. Bon blocage. Attends, je vais le cibler. Voilà, parce que c'est vrai que sinon, c'est un peu relou. Très bien. Maintenant, c'est par là. Ah oui, on doit s'accrocher. Youhou ! Ah non, c'est juste monter. Je pensais qu'on allait faire Tarzan, moi. George, George, George de la jungle. Tin, tin. Ok. Saute. Youhou ! Là, on est vraiment en train de... d'aller très très haut, le petit double saut pour être sûr. Là, on s'accroche. Hop là, le saut. Eh, franchement, comme ça, on se sent beaucoup plus en sécurité d'avoir le petit salto supplémentaire. Hein. Regarde-moi ça comme c'est grand. La vache. C'est ouf. Ok. Là, en face, avec le double saut. La guerre n'a jamais cessé ici. Alors tout ce qu'on a fait, ça n'a donc servi à rien. Attends, ensuite on va où? Ok, il y a une deuxième. C'est quand même à grande échelle, là. Popopo. C'est un point de sauvegarde ou c'est un écho, ça? Je pense que c'est un point de sauvegarde. Je l'espère, en tout cas. C'est un petit point de sauvegarde, super. Eh bien écoutez, je sais pas si on continue un petit peu, parce qu'il nous reste 5 minutes avant d'atteindre l'heure, donc on pourrait se faire plaisir. Bon, ça c'est juste pour sauvegarder. Il y a un truc sur le côté là ou pas? Tiens, un petit écho. Ah, on dirait une plume. Il est peut-être le dernier de son espèce. Sur ce les amis, on s'arrête là pour cette vidéo sur Star Wars Jedi Fallen Order. J'espère que ça vous aura plu ce nouvel épisode. Moi encore une fois, je me suis éclaté, une belle phase de plateforme. Et je pense que ce n'est pas terminé, parce que regardez ce qui nous attend après. Eh oui, merci à tous, portez-vous bien, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite de la série, il nous reste encore beaucoup de vidéos sur le jeu. On est à peu près à la moitié, je dis bien à peu près. Merci à tous, portez-vous bien, et à très bientôt. Ciao ciao.